Salut tout le monde, je suis Inala, c'est les Mimiki et aujourd'hui on s'aventure vers cette chère Yuri qui nous a si bien accueillis. Te voilà dans mon antre. J'ai pourtant essayé de t'avertir que tu devais partir, mais tu as persisté. Je dois admettre que c'est impressionnant pour une gueuse. C'est donc ici que vous vivez ? Exact. Cet endroit tranquille et reculé est idéal pour tenir mes secrets à l'écart des curiosités mal placées. Je vais rester ici pour un petit moment. Pourriez-vous vous déflouter, s'il vous plaît ? Ça me donne le tournis. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Pourquoi cachez-vous votre visage ? Vous êtes très jolie, vous savez ? La flatterie du bas peuple n'a aucun effet sur moi. Mais c'est la vérité. Un nourrisson s'est introduit dans mon sanctuaire. La déliquescence de mon image résultait uniquement de ma projection astrale. Pourquoi voudrais-je me cacher ? De quoi aurais-je honte ? Tes derniers mots auront été comme ton existence, vain. Mon apparence resplendissante sera la dernière chose que tu verras. Meurs. Mais On sent le danger. Excuse-moi. Bon. Bon, dans un premier temps, il est évident que le bouclier normal ne servirait pas à le magique ne servirait pas à grand chose. Elle est où ? Pardon ? Pourquoi avant je pouvais les bloquer et puis maintenant ? Ce qui me fait penser que j'ai oublié une petite chose. J'ai été faire un tour, j'ai récupéré ici le masque, et la clé qu'il y avait qui donne accès à la clé de cœur où je ne suis pas encore allé. J'ai complètement oublié où c'était. Non, c'est juste là en ligne droite. On va y aller tout de suite. Tant qu'à faire, c'est gratuit. Ne nous privons pas. Bien. Il n'y a plus de fantômes où ils ont repopé. Il n'y a plus les fantômes. Magnifique. Oh non, t'es pas sérieuse. Bon. Fireball. C'est bon. C'est looté. Du fromage. Du pain. Une porte. Et c'est tout. Il y a probablement des choses fantastiques dans ce coffre, mais on va les ignorer pour poursuivre notre route et réaffronter notre chère non-amie Yuri. Nous y revoilà, très cher. Et où ? Voilà, montre-moi un petit peu ce que tu sais faire pour de vrai. T'es très sexy, on te l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu fais ? Aïe ! Merde ! Vas-y, je te regarde faire. Moi, ça me va, je peux tenir comme ça toute la journée. Et même plus encore, d'ailleurs. Ah,
C'est pas trop épuisant de travailler pour une nécromancienne, mon cher ami squelette. Non, tranquille. Tu fais ça. T'as pas l'air d'être. T'as l'air très persistant, hein. Ça a pas l'air d'être plus. Merci. J'étais pas prête. Allez, Yubi, c'est l'heure de la revanche. Allez, retourne au trépas. Mais pourquoi? Ça a touché. On va récupérer le bouclier. Pour les brûlures, est-ce que j'ai quelque chose empêche les nains, blablabla. Bouteille d'eau peut-être, non? Annule les attaques de feu. Non. Et si ça soigne? Jean Beau No Délicieux. C'est tout? Pfa. Je savais bien qu'elle n'avait que la peau sur les os. Et voilà. Pardon. Et voilà. Crâne de Yuri. C'est... Ça y est. Oh oui. Plus de PM. Alors, voyons voir un petit peu ce que j'ai récupéré. Baguette de Yuri. Une élégante baguette qui fourmille de mana. Dégâts du sort plus 20% régénère 1 PM. Crâne de Yuri plus machin chose. Ok. Ah, c'est de manière passive. C'est de manière passive. Allez. Je dois reconnaître que je n'étais point prête. Wouah, cette femme hurle. Aïe, 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 potion de mana. Allez, tombe. Tire-toi. Ah, voilà. Du café. Il y avait du café dans cette toile. Oh non, mais franchement. Tu me dégoûtes. Continuons. Tiens. Je n'ai absolument aucune idée de où est-ce qu'on va. Stylé. C'est à moi. C'est trop stylé. Qu'est-ce que c'est? Parfait pour poignarder un ennemi. Mon devoir, quoi, comment c'est? Ouais, ça reste de l'attaque rapide comme ça. En vrai, c'est pas moche, hein. Journal. Quand je suis entré dans ce... Dans le sanctum? Quand je suis entré dans le sanctum ce matin, le sujet s'était déjà enfui. Tout avait... Quand je suis entré dans le sanctum ce matin, le sujet s'était déjà enfui. Tout avait été mis sans dessus dessous, mais par chance, les éléments nécessaires aux enchantements étaient intacts. Les seules choses qui manquaient étaient un arc et des flèches.
J'aurais dû me montrer plus prudente dès lors que le sujet était éveillé. Fireball! Ok. Où est-ce que je suis? Ah oui! Sésame, ouvre-toi. Baguette, potion, cadavre. Cadavre, allez, tombe le cadavre. Merci. Champignon. Fireball. Bouclier vindicte. Bloquer une attaque applique l'effet pendant une seconde. Quel effet? Les attaques de mêlée causent des dégâts critiques. Soigne 1 PV en attaquant avec arme corps à corps. Il faut que je teste parce que là, je dois bien reconnaître ne pas être très sûr de l'effet de cette arme. Fort heureusement, on a des zones plus loin, plus haut à explorer. Tellement plus haut. Va-t-on retomber sur Boris? Vous allez pas me tirer dessus, hein? Aujourd'hui, je suis tombé sur un monstre qui imite les humains. En l'apercevant de loin, j'ai bien cru que c'était une personne. Mais en m'approchant, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il s'agissait plutôt d'une sorte d'insecte géant. Par chance, il n'avait pas l'air bien malin et j'ai réussi à le piéger et à m'en débarrasser sans trop d'efforts. J'ai échappé de peu à cette sorcière démente et me voilà maintenant coincé dans cet enfer. Toi, tu me plais. Toi, le décor, tu me plais aussi beaucoup. Petit piaf. Ouais, mais je suis empoisonné de sa mort. Bon, par contre, tu m'excuseras, mais non merci. Ok. Baguette de Yuri. Et... Progression, succès, oups, et bûcheronne. Ah, je suis en train... Mais écoutez, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.